from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Bonjour les gens! Hello tout le monde! Normalement, vous nous voyez. On est là. On avait hâte de vous retrouver ce matin pour la première émission Au pire, on part en Australie. Voilà, c'est une émission à laquelle on réfléchit depuis un moment et Twitch nous donne la possibilité de pouvoir techniquement la faire en live, ce qui est encore mieux qu'en celui qui a un café. Normalement, à un café, personne ne me parle. Donc oui, aux mauvaises langues qui pensaient que je ne me lèverais pas, j'ai dormi 3 heures, mais je suis là. Tu as dormi 3 heures? Oui, j'étais un peu inquiète, c'est un peu mon côté pas anxieux du tout dans la vie. Parce que c'est un projet auquel je réfléchis, moi, d'avoir des invités depuis longtemps. Donc, ça y est, ça se concrétise. Et avant de les accueillir, on va les remercier pour leur patience, parce qu'on en est à 3 tests, et ce matin, ça a quand même planté. Mais ça marche. Mais on y arrive, voilà. Donc, aujourd'hui, on avait envie de partir en Australie, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, nous y sommes, en Australie. Ils nous attendent, ils sont déjà là. Donc, c'est Elodie et Guillaume, qui sont partis il y a déjà quelques années, je crois que c'est plus de 10 ans, mais ils nous le diront mieux, en Australie. Puis ils ont décidé de s'y installer, puis ils ont décidé d'y fonder une famille et de bosser de là-bas. Puis ils ont décidé de devenir nomades, puis ils ont décidé de... Enfin, vous allez voir, c'est une aventure un peu folle à base de caravane, de camping-car en France, de voyages solidaires en Afrique. Un doux mélange de plein d'envies. Et je crois que c'est le fil conducteur de cette famille, c'est de suivre ses envies. C'est ça. Au point que Elodie et Guillaume attendent un troisième bébé là qui va arriver avant la fin du mois. C'est Frossy sur Instagram. Bastien va vous mettre le lien parce qu'il est en train de faire la story pendant ce temps. Je suis en train de faire la story. Mais on va les accueillir quand tu veux. Bah, c'est lui bientôt. La régie, c'est pas moi. Voilà, ils sont là. Attention. Maintenant. Pas du tout, t'as rechangé dans l'autre sens. Maintenant, voilà. On y est arrivé. Bonjour les gens. Bah oui, parce que eux, il est déjà tard. Il est 20h en Australie, c'est ça? Ouais, il est 20h20 en Australie et surtout qu'on est des couches tôt. Alors vous avez du mal à vous réveiller et nous, on va s'endormir en direct. Mais non, ça va bien se passer. Eh ben bonjour tout le monde. On est super content de vous retrouver. On est super content de faire ce live, ce premier live sur Twitch. Alors nous aussi, on découvre. On est bien content de retrouver Audrey et Bastien qu'on connaît depuis déjà un petit moment. Et nous, on est en Australie depuis 2011. Ça va faire 12 ans. Ça va faire 12 ans le mois prochain qu'on est arrivé en Australie pour une durée indéterminée. Puis bah, finalement, 12 ans plus tard, on est encore là. Hein. Ouais, bah, on s'est installé du côté côte-est il y a 12 ans à Brisbane. On est arrivé avec, à l'époque, deux valoches et l'eau enceinte. À l'époque. Et du coup, enceinte de 5 mois. Ouais. Et on est arrivé, on s'est installé sur la côte est à Brisbane, pour ceux qui connaissent. Et on a adoré le coin, on a adoré la côte et on s'est installé en 2011. Et on a eu notre premier enfant là-bas qui s'appelle Adam. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, on a vécu une vie assez traditionnelle, même si au bout du monde. Alors, on a passé 10 ans, quasiment 10 ans, 9 ans à Brisbane en mode maison, école, école, boulot. Un deuxième enfant qui est né. Et nous sommes entrepreneurs tous les deux. Et puis en 2020, on a décidé de tout lâcher, de tout vendre et de prendre la route avec une toute petite caravane. Pareil pour quelques semaines ou quelques mois d'aventure. Et ça va faire 3 ans en novembre. Ça va faire 3 ans qu'on est nomade en Australie, toujours. Voilà. Mmh. Ouais, donc à la base, on n'était pas parti pour partir trop, trop longtemps. Parce que pour ceux qui nous connaissent ou pour ceux qui veulent aller voir... Notre caravane, elle n'est pas faite pour vivre à temps plein du tout, encore elle moins était à pas 4. Faite. Ah oui, j'allais dire ça. Mais on va mettre les liens dans le chat pour aller vous suivre au fur et à mesure qu'on en parle. Donc, elle n'était pas faite, mais vous avez tout fait pour. Exactement, ouais. Exactement. On a fait de la vie nomade possible. À la base, ce n'était pas un plan prévu. Mais on a tellement kiffé depuis qu'on est sur la route que qu'on ne voit pas vivre autrement. Et puis on a fait make shit happen, comme on dit. et voilà quoi. On a juste essuyé les plâtres et puis. On a Hello New qui dit oh les Frossy, je les adore, je les suis depuis leur live avec les Nesta.
Trop chouette. Donc, parce que Elodie, elle fait aussi des lives sur son compte Instagram où elle invite d'autres familles, et notamment avec les Nesta, c'était pour parler de la grossesse en voyage. Moi, j'ai eu le plaisir de participer à deux de ses lives aussi, sur le minimalisme et sur, je ne sais plus ce que c'était, le tout premier. Ça remonte à un an et demi. Ah oui. Vous êtes arrivé en Australie. Avec quel type de visa vous êtes venu en Australie? Parce que ça, c'est vraiment la question qu'on a souvent sur l'Australie. Ça semble compliqué. Ah, c'est compliqué, ouais. On a l'habitude de le dire qu'en Australie, c'est facile de rentrer parce que tu rentres avec un visa touriste qui est valide 3 mois. Et après, c'est dur d'y rester. Donc, si tu as le plan d'y rester, c'est vrai que c'est assez compliqué. Nous, on a eu la chance d'y venir dans un premier temps en 2011 en visa touriste. Et j'ai trouvé du boulot pendant les vacances, qui est assez, c'est la bonne opportunité. Et on avait réussi à négocier avec mon employeur un visa de travail, donc qui s'appelle le visa 457 à l'époque, qui permettait, c'est un sponsorship, qui permettait de se faire sponsoriser par un employeur en Australie. On est arrivé à la bonne époque, ça fait 12 ans, on est arrivé à la bonne époque, on est arrivé avec le Saint Graal quand même du sponsorship. Ouais. C'est vrai que, voilà. Tu faisais quoi comme métier de moins en... À la base, moi, je suis responsable commercial. J'étais responsable commercial dans une grosse boîte aux États-Unis. Basée en France. Du coup, mon profil intéressait l'employeur qui cherchait un mec avec une grosse capacité commerciale et surtout pour développer les îles du Pacifique. Donc, okay. D'accord. Il parlait français. Ah bah oui, tout ça. Donc, parce que c'était pour... C'est pas loin de la Polynésie, sur... effectivement. Et ouais, c'était pour bosser sur la Calédonie, enfin donc Nouméa... le Vanuatu et Tahiti. Okay. D'accord. Ok. Et oui, c'est vrai que le sponsorship, tu n'as pas besoin de revenir de repartir en France. Ils peuvent te le donner directement de là-bas. Non, le sponsorship, il est valable 2 ans, renouvelable une fois. Donc, c'est 4 ans. 4 ans que l'employeur te doit et que tu dois à l'employeur. Et puis après, au bout de ces 4 années-là, tu peux demander la résidence permanente. Et après 2 ans de résidence permanente, tu peux demander la citoyenneté. Donc, on est devenu, ça nous a pris 6 ans pour devenir citoyen. Et on est devenu, les enfants sont nés sous notre visa sponsorship et pas notre résidence permanente. Donc, il n'y a pas le droit du sol. Donc, ils n'étaient pas australiens tout de suite. Ils n'étaient que français. Et on est devenu australiens tous ensemble en 2016. Ouais, c'est 2016. On est devenus australiens tous les quatre en même temps. Franco-australiens. Bah aujourd'hui, franco-australien parce qu'on a la chance d'avoir des pays où on peut avoir la double nationalité. Donc, on a les deux passeports. Ouais. Okay. Par contre, quand tu es sponsor pour un des deux, l'autre, ici en tout cas au Canada, donc je ne sais pas si c'est le cas en Australie, a un visa de travail ouvert qui est lié à celui de son mari. En tant que concubine. Ouais, c'est ça. En tant que concubine. Ici, on appelle ça le de facto. Donc, tu n'as pas besoin d'être marié. Mais la vie commune fait que tu peux travailler à plein temps là mais où tu es. Pas lié à ton employeur. Ouais, voilà, c'est ça. T'es pas lié à ton employeur, mais t'es lié à l'employeur de ton mari. Ouais. Et on est arrivé comme ça il y a 12 ans et c'était la façon la plus confortable qu'on avait. Et en plus, à l'époque, on n'était pas du tout, c'était pas du tout prévu. Mais en sachant après coup qu'on arrivait avec Hello enceinte, c'est vrai que ça aurait été très compliqué de venir avec un visa qui était un peu bancal. Donc, Attends, on est quand même arrivé avec un truc bancal parce qu'on est arrivé avec le sponsorship sans savoir qu'on n'avait pas d'assurance maladie. Ah oui, et on n'avait pas épluché ça. Donc, je suis arrivée enceinte de 5 mois, pas couverte par l'assurance maladie. Et notre assurance privée en France qui nous demandait 1 an de cotisation avant de nous. Non, l'assurance privée ici en Australie qui nous demandait 1 an de cotisation et notre assurance française qui nous remboursait sur les frais. Français, donc pour une consultation à 80$, on était remboursé 16€, quelque chose comme ça. Et enfin bref, en gros, on a payé la grossesse et l'accouchement à plein pot la première année. Donc, c'était un peu bancal quand même. Hein. Ouais, à refaire, on se renseignerait un peu plus. Hein. Bon, sachant qu'il y a des versions expatriées qui peuvent prendre en charge, là, parce que je pense à Chapka que nous on a justement en assurance et qui ne prend pas la grossesse quand tu es touriste. Parce que c'est pas la même formule que quand tu es assuré expat, mais ça s'anticipe. Mmh. C'est pas quand tu es déjà sur place que tu peux lancer des assurances parce que tu as des carences, tu as des systèmes de carences. Est-ce qu'ils ont dit leur âge? Ils n'ont pas dit leur âge.
Si vous, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui demande vos âges? 23 ans. Ah, attends deux secondes, j'arrive. 37 ans et 39 ans. Ok, ouais. Et sinon, le PVT, vous y aviez pensé ou pas du tout? On est arrivé, puis qui, pendant les vacances, il a eu sa proposition de boulot. Le premier réflexe de l'employeur a été de lui proposer ce qu'on appelle le Working Holiday Visa, oui, ou le visa vacances-travail. Et moi, je ne voulais pas parce que moi, j'avais déjà utilisé le mien. Donc, je n'avais pas de solution pour venir avec lui si lui passait en PVT. Donc, on a négocié avec, avec l'employeur pour avoir le visa du dessus direct. Et ça a marché. D'accord. Ouais, c'est, bon, au moins, c'est pratique, quoi. Alors, c'est sûr que tu t'expatries plus dans la, avant la trentaine qu'après parce qu'en général, tu t'es installé. Quand tu as 30 ans, tu es plutôt dans une vie posée et que ben, larguer les amarres à nouveau pour des aventures, c'est moins souvent, mais ce n'est pas forcément vrai toujours. On est arrivé à 25 et 27 ans et on n'était pas mariés. On n'était pas mariés, on était juste concubins et ça marchait. On est mariés depuis, on s'est mariés il y a 5 ans en Australie, mais on n'était pas mariés quand on est arrivé. La vie de couple est complètement reconnue autant qu'un mariage. Exactement. Il a fallu la justifier quand même, hein, parce qu'on a eu un dossier à monter avec des photos pour montrer qu'on est... Des déclarations de nos parents. Des déclarations de nos parents qui déclaraient qu'on était vraiment en couple, des déclarations alors d'amis, des photos de vacances, alors que j'étais enceinte, effectivement. Ouais. Donc, je me souviens que ta mère avait fait une déclaration comme quoi j'étais bien amoureux de toi et qu'il faudrait que je le ressorte. Ah oui, oh, c'est beau. Un vrai amour. C'est pas toutes les belles-mères qui feraient une belle déclaration pour leur gendre. On a ça quelque part, on le garde. Je l'ai pas utilisé, ça. C'est très, très drôle. Alors, on a la question de combien vous avez visité de pays. Parce que, outre, comme tu le disais, on est venu s'installer en Australie. C'est très dépaysant sur le papier, mais vous aviez finalement une vie classique. J'ai pas envie de dire métro, boulot, dodo, mais c'est plus surf. Parce qu'il me semble qu'à Brisbane, il y a quand même un peu de plage. Je veux pas dire de bêtises. Pas nous, hein. Vous n'êtes pas des surfeurs. Non, et c'est plus la course à pied, je crois, pour Guillaume. Et vous faites beaucoup de sport, vous êtes quand même très sportifs tous les deux. Autant que nous. Ouais, non, eux ils sont vraiment sportifs. Ah oui, c'est vrai. Non, non, ils courent et tout, à 5h du matin, ils partent, faire du jogging et tout. C'est vrai, j'ai vu, je vois ça en story. Pas moi en ce moment. Hein. Non, mais en ce moment, non. Mais... Il me fatigue rien qu'en le voyant. Rien que de le voir. donc, je disais que vous aviez une vie quand même sédentaire et vous avez commencé à explorer l'Australie comme t'aurais exploré. Ton pays, ou vous profitez des vacances pour rentrer justement, parce que c'est quand même 24 heures de trajet, quoi. 24 heures de vol. C'est vrai que on a beaucoup voyagé, pour la question de combien on a visité de pays, on a beaucoup voyagé avant l'Australie, donc avant les enfants. On a fait 3 ans de vie commune en Europe, où on a habité Paris, on a habité Bruxelles, et on a voyagé. Guillaume était responsable sur commercial sur l'Europe et sur tous les pays d'Europe. Et je le retrouvais beaucoup le week-end. Donc, on a fait quasiment toutes les capitales d'Europe, quasiment tous les pays d'Europe ensemble sur 3 ans, toi plus que moi d'ailleurs. Après, quand on est arrivé en Australie, le fait d'avoir un travail ici, tu n'as que 4 semaines de vacances. C'est vrai que pendant longtemps, nos 4 semaines de vacances ont été pour rentrer en France. Donc, on a profité de nos week-ends, de nos longs week-ends ou un petit peu de vacances pour vadrouiller un peu autour de Brisbane ou toujours rester dans le Queensland. Mais on n'a pas beaucoup voyagé les premières années parce qu'on consacrait tout notre temps de vacances à rentrer en France. Et mine de rien, quand on est arrivé au tout début, il a fallu qu'on s'installe, qu'on se fasse un cercle d'amis, qu'on retrouve le boulot, que Hello retrouve du boulot, que tout ça. Et ça nous a mis, mine de rien, avec le recul, on a mis peut-être 4-5 ans à être installé vraiment en Australie. Et à être stable financièrement. À être stable financièrement et tout ça. Et c'est au bout de 3-4 ans, on s'est dit, on s'est regardé, on a dit, waouh, vraiment, re-boulot, re-dodo et tout. Parce qu'on avait quitté Paris et sa vie de fou, justement, pour l'Australie et changer un peu. Et en fait, on est retombé dans le même truc, on est retombé là-dedans. Et alors ouais, c'était au bout du monde et c'était excitant, mais c'était fatigant. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que tous nos budgets, voyages ou quoi que ce soit, partaient beaucoup dans les retours en France.
Parce qu'un retour en France, quand t'es 4, ça coûte... À l'époque, ça coûtait pas très cher. Ouais. On a commencé à profiter davantage et à avoir plus de temps pour nous et pour les voyages. À partir de 2016, où t'as quitté ton travail et qu'on est devenus entrepreneurs tous les deux. Et du coup, le fait d'être entrepreneur, de travailler de la maison, faisait qu'on maîtrisait beaucoup plus notre temps et qu'on pouvait se permettre du coup des vacances. Et à partir de 2016, on a commencé à voyager, on a fait le Vanuatu, on est parti en road trip aux États-Unis avec les enfants qui étaient petits, on a commencé à voyager. Mais c'est plus le côté être employé avec des vacances structurées, c'est plus compliqué de gérer ton temps, quoi. Donc après cette vie arrive l'événement mondial qui a changé la vie de beaucoup de monde et qui a aussi permis pour beaucoup, je pense, de repenser ses envies, ses besoins. La fameuse pandémie, mais qui pour vous a été ultra positive finalement. C'est ce que tu me disais la dernière fois. Ah bah nous, ça a été le jour et la nuit. La pandémie en 2020, on s'est retrouvés mars 2020 comme tout le monde à la maison avec les enfants pendant 10 semaines. On était à ce moment-là entrepreneur depuis 4 ans. On était à la tête de plusieurs entreprises. Le premier effet qui se coule a été de dire « Waouh, le coup de frayeur !» parce que évidemment, toutes les entreprises ont quasiment se sont arrêtées du jour au lendemain. Plus d'activité professionnelle, plus de revenus et tout ça. Et en fait, ce qui devait nous paniquer, en quelques semaines, on a kiffé. Et puis après, on s'est dit, cette grande maison, en fait, on n'en a pas besoin parce que on veut vivre dans quelque chose de plus petit. On a tout vendu. On a cherché à acheter un terrain pour faire construire une tiny home. Le projet immobilier n'a jamais marché. Et puis en fait, on s'est retrouvé très vite sans maison, à se dire, on n'a plus que la caravane, qui était toute petite, hein, parce qu'on avait une caravane de 9 mètres carrés. Ouais. 9 mètres carrés. À 4. Et on s'est dit, à 4. Et on s'est dit, go. Avec un chien à l'époque. Avec un chien. Et on s'est dit, go, on part. On part et on verra. On part quelques semaines, on part 2-3 mois. Et puis on trouvera un projet immobilier plus tard. Et puis, en fait, on n'a jamais voulu rentrer. On parle de la caravane. On va aller sur YouTube regarder la seule et unique incroyable vidéo de la chaîne. Dans quelques moments, la régie se met en place. On est sur YouTube. Une chaîne YouTube pleine de promesses. On y a cru. Hein. Elle est vraiment chouette. Donc c'est chouette de pouvoir avoir ça parce que après on visitera la nouvelle, on va expliquer parce que le projet a évolué. Mais le tout premier projet c'était donc cette vieille caravane vintage. Il me semble d'ailleurs qu'elle se rehausse pendant que la régie travaille. Ouais. Donc elle était un peu pop-up. Ouais, c'est ça, c'est que elle était pop-up, ouais. Ce qui était très bien. Elle n'était pas très longue, elle faisait 4 mètres sur 2 mètres. Enfin, elle dit, on l'a toujours. Hein. Oui, oui. Vous l'avez toujours. Ouais, on l'a gardée chez les copains, là. Pour des prochains projets. Mais, c'est leur pied-à-terre. C'est la maison de vacances. C'est le studio des gamins. Pas de toilette, pas de salle de bain. Ah oui, c'est vrai. Juste. La régie, elle avance ou pas? La régie, elle est bientôt prête. On va lancer les images, puis comme ça, vous pourrez commenter la vidéo en direct. Au final, cette caravane, elle nous a. Elle. Oh la jeunesse! On était au. Oh là là! Oh, le barbu! Comme t'es barbu! Non, mais c'est post-Covid, ça. Tout le monde était barbu. Donc, j'ai enlevé le son, hein, parce que. Sinon, ça va saturer. Ouais, sinon, ça saturera. Donc, ça, c'est la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc c'est la petite caravane. Cette caravane, on l'a rénovée, du coup, pendant le confinement. Et puis, les mois qui ont suivi le confinement. Et on est parti. On a pris la route en novembre 2020. Et comme je disais, on est parti pour quelques semaines ou quelques semaines. Au bout de quelques semaines, on s'est dit, allez, 2-3 mois, ça sera bien. Et puis, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Et puis, finalement, on aura vécu dedans 2 ans et demi. Et on a fait le tour de l'Australie. On a fait tout le tour de l'Australie. Donc, il y avait le toit, là. On le voit, le toit qui s'y lève. On avait tout ce dont on avait besoin. On n'avait pas le gas stop encore. Mais après, plus tard, on a installé quand même deux feux de gaz pour pouvoir cuisiner à l'intérieur.
Il faut savoir que cette caravane, on l'a achetée pour trois fois rien et on n'est pas du tout expert dans la réno de véhicule. C'était notre premier véhicule. Ouais. C'était notre premier véhicule à rénover et on a fait. Ouais, j'étais bronzée. On a fait des tas d'erreurs. Enfin, j'ai fait des tas d'erreurs dans la rénovation. J'ai refait trois fois le plafond. Oh, elle a fui cette caravane. Elle a fui pendant. Un an. J'ai mis l'eau, c'est le pire truc. 30 kilos. Oh, j'ai mis 30 kilos d'imperméabilisant sur le toit, enfin, c'était une catastrophe. Et donc voilà, on a fait avec les moyens du bord. 80% sont que du recyclé et de la récup. Tout tu peux venir finir travail, notre bus si tu veux. Hein. Si vous vous ennuyez, on se retrouve à New York et tu viens finir notre bus. Hein. Parce que pour quelqu'un qui s'y connaît pas, on n'avait vraiment pas beaucoup en rangement. Enfin, vraiment, on avait un bloc sous l'évier, on avait tout le petit frigo. Et franchement, ça a fait le job. Tu t'habitues, c'est fou comme tu t'habitues avec ce que tu as en fait. Ce tiroir, j'ai dû refaire 8 fois. Ce tiroir, il est tombé plusieurs fois. Hein, sur... Vous les tiroirs s'ouvrent encore. Mais c'est vrai que nous, on avait un camping-car et c'est pareil. Ben, comme quand vous étiez en France, après, on en parlera. Mais finalement, on s'adapte. Maintenant qu'on est dans le bus, on se demande comment on a fait pour vivre dans ces petits. Ça, c'est notre armoire pour quatre. Ouais, avec c'est grand. Le truc salle de bain à la droite. Donc, ouais, c'est ça. Gauche, c'est que Hello. Hein. Ça va. Et encore, ouais, t'as des cintres. Nous, on n'a pas de cintres. Et tu vois. Le kaki, là, c'est bien. Le reste, c'est pas à moi. Mais ça, c'est normal. Regarde, ça, c'est nos t-shirts. Enfin, les t-shirts des enfants qui sont roulés. Et c'est, voilà, trois t-shirts par personne. Toi, t'as des gars. Moi, j'ai une fille. Hein. elle se contente plus d'un tiroir. C'est des gars qui s'en foutent de... Ouais. Non, les garçons, ils sont habillés avec quatre tenues de sport et c'est tout. Quoi. Et puis, c'est pas une légende, tu sais, le slip que tu mets, que tu retournes, que tu retournes. Ouais, ou que tu retournes pas. Tu mets 3 jours. Au choix. ouais, voilà. C'est fou comme t'es barbu. T'avais oublié? On oublie. C'est l'espace intime. Les rideaux, c'est vraiment, on en a refait ici dans cette nouvelle caravane. Le fait de séparer avec des rideaux, c'est vrai que c'est le petit truc. T'as pas l'impression que c'est énorme, mais ça donne quand même de l'espace. Voilà, ça c'était notre lit que Guillaume avait fait. Donc c'est un lit canapé qui se dépliait et notre lit faisait 115 cm de large. Ah ouais, hein. Ah oui, vous étiez collés serrés quoi. Ils sont sportifs. Collés serrés. Et les enfants dormaient de l'autre côté du rideau. Derrière le rideau, là, de l'autre côté du rideau. Ah ouais, d'accord. Ah oui, tu dors avec tes enfants. C'est l'intimité quoi. C'est l'intimité d'une caravane quoi. Comme ça. On est revenu. À la base, c'était les vacances. Les vacances et les week-ends. Ça suffit largement. Ah oui, c'est des caravanes, c'est pas fait pour vivre à l'année, quoi. Les lits des enfants faisaient 65 de large, je crois. Ouais. Ça allait jusqu'à ce qu'on rentre d'Afrique et quand on est rentré d'Afrique, ouais, là. Les gamins avaient un peu poussé en 6 mois et c'était un peu coincé. Ouais, nous, dans le camping-car, c'était 70 par 185, tu vois. Ouais, mais nous, ils étaient loin dans le camping-car, vu que nous, on était dans la Capucine. Mais ils étaient opposés. Et ils étaient comme à l'opposé. Vous aujourd'hui. Côté, ouais. Ouais, ça change l'espace. Ouais, mais bon, on aimait bien. Écoute, c'est fou parce que aujourd'hui on se rend compte de la différence. Avant, on faisait avec. On avait pas beaucoup de placards. Hein. Là, on avait les jouets des enfants. Les bunk beds, vous les avez rajoutés ou ils étaient déjà? Non, on a tout. Ils ont tout refait. C'est un bunk bed Ikea qu'ils avaient à la maison. C'était leur lit à la maison qu'on a réduit Que j'ai dû réduire en hauteur et en largeur. Ok. Ici, au Canada et aux États-Unis, c'est un peu le royaume de la caravane et de la fifouille énorme. Et comme tout bon nord-américain, pour tirer une grosse caravane, il faut un gros pick-up. On a toujours la même voiture, on a un Ford Ranger pick-up et Wildtrak. D'accord. Ça, ouais, c'est pas très lourd comme caravane de toute façon. Mais c'est une pop-up. À part les 30 kilos d'étanchéité. elle devait faire. Je crois qu'elle faisait. Attends, je disais quoi ? Tout chargé, elle faisait 1,6 tonne. Ouais, ah oui, c'est oui. Vraiment pas lourd. Ah oui, c'est pas lourd. Après, oui. J'ai envie de dire que pour l'Australie, c'est souvent un combo qui est choisi. Alors, peu importe après la caravane derrière, mais c'est un pays immense. Et puis, il y a beaucoup de pistes. Et si tu peux partir un peu explorer,
C'est un peu comme dans l'Ouest américain, c'est-à-dire que tu poses ta base de caravane et puis tu vas explorer avec le pick-up et ça évite de bouger un gros VR, un gros motorhome, un gros camping-car, alors que bah, tu veux juste aller à la plage et revenir, par exemple, ou en rando. Ou... Ah bah nous, c'est pour ça qu'on préfère le côté combo 4x4 caravane. Le fait d'avoir une caravane vintage, c'était vraiment un choix parce que c'était notre style. Je dis souvent, c'est comme préférer acheter une vieille maison de pierre plutôt qu'un pavillon neuf, tu vois. Exactement. On aimait bien le côté vintage et on a. Mais en Australie, tu peux pas circuler si t'as pas un 4x4. Tu peux pas partir en aventure si t'as pas un 4x4. D'accord. Si t'es en camping-car ou si t'es en van, t'es quand même vite limité. Et bien souvent, le fait d'avoir une caravane qui est pas 4x4 permet de pouvoir de pouvoir laisser la caravane et de continuer de vadrouiller quand même avec le 4x4. Et ici, c'est comme aux États-Unis. Alors certainement un peu moins qu'aux États-Unis, mais c'est vraiment c'est un mode de vie. Enfin, les côtés combo gros 4x4, grosse caravane ou caravane 4x4, c'est il y a des fifouilles dans les camps. Non, pas trop. Pas autant qu'aux États-Unis. On est plus sur de la caravane, de la grosse caravane, mais très haute et en mode 4x4. C'est vraiment leur truc. Ben après, je pense que peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de saisonniers comme aux États-Unis, puisque le pays est immense et où tu as des gens qui vont déménager pour des chantiers. Ou pour les mines, pour les choses comme ça, non? Ouais, mais pas trop en, pas en caravane. Hein. Très sincèrement, les mecs qui bossent dans les mines... Ils sont logés. Et les mecs qui bossent dans les mines, ils se font un fric monstre, ils s'en mordent pas avec une caravane. Non, mais ils adorent ça, en fait. Ouais, ils adorent ça, et ici, en fait, ils font 15 jours ou un mois dans la mine, et après, en travaillant 7 jours sur 7, et en fait, après, ils ont 15 jours... On connaît des Canadiens qui vont dans le Grand Nord, ils font 15 jours de taf. Ouais. Et après 15 jours de off, et généralement, ces gens-là sont nomades parce qu'ils travaillent, ils se mettent en Floride, au Mexique ou en Arizona. Ils vont travailler dans le Grand Nord et ils déplacent leur maison, en fait. Avec toute leur famille, en fait. Il y en a un peu, mais pas la majorité. Nous, la majorité de ceux qui se mettent sur la route et qui bossent, c'est tous ce qui sont les tradies, tous les artisans. D'accord. Pour un peu, si tu es électricien ou plombier ou charpentier ou quoi que ce soit, les mecs, ils trouvent du boulot partout sur les chantiers, voilà. Et ils passent d'un état à l'autre et ils peuvent trouver du boulot. Dans les profils. Oui, évidemment. Oui. Mais c'est vrai que c'est une tendance aux États-Unis, en tout cas, beaucoup sur le saisonnier. Le full-timer, c'est une population énorme. En fait. Ouais, bah après, c'est des pays comme l'Australie, ce sont des pays de pionniers. En fait, on en parlait l'autre fois, c'est que pour eux, c'est avoir la caravane de full hook-up qui se plug. Ils sont en fait comme à la maison et ça remplace juste les chariots qu'il y avait au 19e siècle, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Bah, ils ont gardé ça aussi ici en Australie, ouais. dans le côté où les mecs, ils n'hésitent pas forcément à se débrancher de la maison et tout. C'est pas, y a plein de gens qui ne sont pas attachés à ça, si tu veux. Et toi, être dans quatre murs, où ils ne sont pas accrochés à la pierre et tout ça. Ils veulent être juste à droite, à gauche et se balader. Et nous, on a rencontré des gens, ça fait 10-15 ans qu'ils sont dans leur bus. Ils voyagent à droite, à gauche, ils trouvent du boulot. Et je te parle de gens qui ont 60-65 ans. Oh, oui. Et ça fait... Ça fait 20 ans que on les appelle les grès nomades ici. Ouais, ah, ok. J'aime bien l'expression. Les grès nomades. Ils s'appellent comme ça. Ils ont leur gris. Facebook. Ouais. Et ils s'appellent même entre eux et tout ça, les grès nomades. C'est ceux qui voyagent, qui n'ont plus d'enfants en fait à charge. À partir du moment où tu n'as plus d'enfants à charge et que tu passes à un certain âge. Ouais, ici, on les appelle plus les snowbirds parce qu'en fait, vu qu'il y a une vraie saisonnalité. C'est clairement les oiseaux migrateurs qui vont passer l'été au bord du lac, au Canada ou dans le nord des États-Unis et qui pour l'hiver vont redescendre au Texas, en Floride ou au Mexique. Je vais rebondir sur cette question parce qu'on disait justement quand vous montriez votre caravane, on disait « Ah oui, mais avec la météo clémente de l'Australie, on a très peu de vêtements. » Mais il y a quand même une vraie saison parce que vous êtes quand même très au sud en Australie et je pense qu'en continental, on se fait une fausse idée peut-être de la météo. Ah bah oui, parce que on est arrivé, donc on a pris la route en novembre 2020. On a été un petit peu poussé pour passer les frontières de l'État de Sydney, de l'État de Melbourne, qui passaient en confinement les uns après les autres. Et du coup, on est arrivé en Tasmanie
c'était pas prévu. On est arrivé en Tasmanie début janvier, en plein été. Et on a eu de la neige. On a eu de la neige en plein été en Tasmanie. La neige en, de chez en, nous, en donc en... En Tasmanie. Ouais, en Tasmanie. Donc vraiment l'île du Sud, l'île en dessous l'Australie. D'accord. Et c'est vrai que quand on est arrivé en Tasmanie, on est en plein été. Ouais. On a adoré la Tasmanie. Je pense que ça reste un autre numéro un de pendant le voyage. Mais on n'était pas prêts. C'est qu'on a passé l'été en doudoune, en bonnet. Et je voulais répondre d'ailleurs à la question de dire on n'a pas beaucoup de vêtements. On n'a pas beaucoup de vêtements. Mais on a des vêtements pour toutes les saisons. On se balade, avec les doudounes, les bonnets, les damars. On a toutes les saisons. Et c'est vrai que l'Australie, c'est très, très grand. Donc après, tu voyages, et les gens, ils font ça d'ailleurs. Ils voyagent suivant les saisons. Tu vas fuir le froid ou tu vas fuir le chaud. La saison des pluies dans le nord. Ou tu fuis la pluie. Mais on a toutes les saisons, ouais. Ouais, mais comme... Il neige en Australie. Donc cet hiver, au mois de juillet, on était en Australie, dans les montagnes, à quelques heures de Sydney, et c'était tout blanc, quoi. On avait de la neige et on était en station de ski. Ouais. C'est combien l'altitude? La plus haute montagne d'Australie, elle est à... Je sais parce que je vais monter au mois de décembre. 2300 mètres, je crois. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ouais, en hiver, il y a de la neige. C'est une vraie station. Non, je disais juste, c'est la latitude qui fait que on est très au sud. Parce que la Tasmanie, c'est plus proche du pôle sud que de Darwin, qui est en Australie, tu vois. D'accord. Alors, les gens demandaient comment on va en Tasmanie en caravane. En bateau. En ferry. Il y a des ferries de Melbourne. Ouais. De ferry de nuit, une nuit sur le ferry, et tu peux emmener la voiture et la caravane. 9 heures de traversée. Ouais. Et la Tasmanie est un État australien. C'est ouais. ça. D'accord. Ouais, je pensais que c'était un pays à part. Donc j'avais raison. Tu avais raison. oui, alors je vais juste répondre sur le fait que vous pouvez dételer la caravane. Ça se fait aussi ici beaucoup et ça craint rien du tout. Les gens ont l'habitude. Et en France, c'est interdit de laisser une caravane dételée si elle n'est pas sur un terrain privé. Ou dans un camping. Donc, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que ça nous semble un peu fou de laisser et de partir. Mais c'est autorisé en Australie de la même manière qu'en Amérique du Nord. Ouais. Ou en Espagne, où c'est très autorisé. Bah, je dis souvent, en plus, il y a un pays d'un point de vue sécurité. Bon, on ne connaît pas le Canada. Et, le Canada, les États-Unis, c'est pareil. Hein. Ouais. On a laissé notre caravane partout. On avait un gros antivol. Oui. Mais bon, tu mettais un coup d'épaule dans la porte avant qu'on change la porte. Dans la fenêtre, c'est un pop-up. Là, moi, comme je dis toujours, avec un crayon, je t'ouvre la fenêtre de caravane, quoi. Oui, ouais, voilà. Mais on a laissé la caravane partout. On a traversé le désert du sud au nord, d'est en ouest, traversé le désert australien et tout. On a laissé la caravane partout et je touche du singe, mais on n'a jamais eu aucun... On n'a jamais eu aucun problème. Est-ce qu'on peut parler de votre budget sur la route pour se donner un peu un ordre d'idée? Ah bah alors notre budget, il dépend vraiment de, il dépend du mode de vie. Mais ce que je dis souvent, c'est que la beauté de notre mode de vie aujourd'hui, c'est que notre budget, si on veut, on peut le maîtriser à 300%. C'est que si, surtout en étant entrepreneur, donc on gagne bien notre vie. Mais on a toujours des périodes où on gagne très bien et puis on a des périodes où on gagne moins pendant quelques semaines ou quelques mois. Donc ça va, ça vient. Et si on veut réduire au maximum nos dépenses et qu'on veut se limiter à notre budget alimentaire, enfin courses et essence, on peut. Il y a des mois où, en ce moment, on ne dépense pas beaucoup d'ailleurs, on n'a même pas d'essence. Il y a des mois où on peut tourner à 1 000 euros, même moins que ça, à moins de 1 000 euros pour nous quatre. Moins de 1 000 euros? Waouh! On est à moins de 100 euros de légumes pour la semaine. Ouais. On a toujours des athées hein, parce qu'on va avoir le lait, le chocolat, toutes les épiceries et tout ça. Mais on est à 200-250 dollars de courses par
$250 de course par semaine, donc 1 000 $. 1 000 $, c'est 600 euros. On est rentré d'Afrique au mois de mars. J'ai fait mon premier trimestre de grossesse en Afrique. On est arrivé à Perth, donc sur la côte ouest. J'étais enceinte de 3 mois et demi. On a décidé qu'il fallait rouler pour retourner à Brisbane parce que c'est là où on se sentait à la maison et qu'on avait envie de retrouver le Queensland. On a fait avril, mai, juin. Ouais, on a fait 3 mois sur la route à faire 6000 km. Faire Perth Brisbane. Bon, bah là, on a explosé le budget par le budget essence. Et puis, à chaque fois que tu passes une semaine ou deux en ville, que ce soit à Perth ou à Melbourne, les dépenses, elles vont super vite. Il ne faut pas aller en ville. Mais attends, je voulais finir avec les finances. Oui. Donc, les finances, que je veux dire, c'est qu'on nous demande souvent cette question de budget. Elle est hyper dure à répondre parce que ça dépend vraiment des périodes. Ça dépend vraiment d'où on est, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Là, activités. On est chez des copains, on est en mode ralenti, on profite de la vie, aller au marché, à se faire à manger matin, midi et soir. Là, on ne bouge pas parce que ça peut déclencher une essence. Mais là, on ne dépense rien. C'est vrai que dès que tu roules, l'essence, ça va vite. Dès que tu arrives dans les villes, tu as la tentation. Il y a aussi des fois où il y a les activités. Mais au moins, on maîtrise notre budget. Exactement. Au moins, on maîtrise notre argent et on n'a pas ce truc de se dire oh, on est pris à la gorge et oh là là, il faut sortir 5 000 $ ce mois-ci et mince, on ne les a pas rentrés. Quoi qu'il arrive, on n'a plus ça. Ouais. On a eu ça pendant des années en vivant dans une maison avec des crédits, avec des remboursements, avec des charges et qu'il fallait absolument rentrer un certain montant par mois pour vivre. Et on a été entrepreneur pendant longtemps à la maison avec un vrai stress financier. Et aujourd'hui, ce stress financier, il n'existe plus. Parce qu'on maîtrise 100% notre budget. Donc, Australie, post-confinement, ça réouvre, envie de voir la famille, les amis, de faire un gros retour aux sources en France, donc camping-car. Est-ce qu'on peut comparer la van life australienne à la van life française ou pas? Un peu. Pour que les gens puissent se projeter. C'était une super expérience. Ce n'était pas du tout prévu. On est rentré vraiment en catastrophe pour des raisons familiales à la dernière minute. Et en fait, on n'avait pas prévu de rester si longtemps. Et au final, donc on a fait 6 mois. La meilleure décision qu'on ait prise, c'est d'acheter ce camping-car à notre arrivée. À l'arrache. Mais bon, on était en France, donc on se sentait en sécurité. Si on savait que pour la revente du camping-car, au pire, on pouvait le laisser chez nos parents ou qu'il y aurait toujours un plan B et tout ça. Et puis, on a rénové un petit coup un peu ce camping-car. Et en fait, on a voyagé de novembre, décembre jusqu'à mai. Et on a voyagé en hiver et on s'est fait… On a été en caravaneige, on a été en station de ski avec le camping-car, puis aller skier avec les enfants… Et dans différentes stations. Et vu qu'on était hors saison, on était complètement décalé. On était tout seul. On était partout. On était tout seul. On a fait les châteaux de la Loire. On a fait 10 000 km. On a fait un tour autour de. Et c'était une super expérience. Mais je pense que c'était une super expérience parce qu'on était hors saison. Quand on est arrivé au mois de mai et qu'on est arrivé vers. Sur la côte ouest, la Cap-Breton. Ouais. Qu'on est arrivé à Cap-Breton avril-mai et qu'on les camps on était 60 camping-cars là en bord de mer et là on s'est dit ça doit pas être la même de voyager sur la période estivale, donc on est très content de l'avoir fait dans ce sens-là. Et nous, on a adoré parce que la vie en camping-car, c'est notre truc. En plus, dans le camping-car, même si c'était un vieux camping-car, on avait la salle de bain et les toilettes. Alors moi, j'ai trouvé ça génial. C'était le summum par rapport à notre vie en caravane. Surtout l'hiver, hein. La douche extérieure. La douche extérieure, ça n'aurait pas été possible. Non. Ce qu'on a trouvé génial, c'est de pouvoir… on a dormi sur des parkings gratuits au milieu de village, au pied d'un donjon du XVIIe siècle, XIIIe siècle, au pied d'un lavoir. Les enfants, ils ont découvert tout ce qui était château. Ils se sont voués une passion pour tous les chevaliers et les histoires de France parce qu'on a redécouvert un pays avec une histoire qu'on n'a pas ici en Australie, parce que l'Australie est un pays complètement différent.
l'histoire beaucoup plus récente, c'est tout neuf. Enfin, si donc, on enlève ici, l'histoire des premiers... des premiers peuples. Des premiers colons. Ah bah ouais. Ah bah si t'enlèves les... Et puis en plus, l'histoire, l'histoire aborigène, elle est hyper difficile d'accès. Elle est orale. D'accès ici. C'est exactement le même ressenti ici. Et du coup, eux, ils étaient là. Non, mais attends, les rois, machin. On est allé, comme dit Hello, on a fait le tour des châteaux de la Loire. On est allé à. C'est magnifique. Château. C'est génial. Et ce qui est rigolo, c'est que les garçons, donc on est français tous les deux, donc on a toujours parlé français aux enfants. Les enfants parlent très très bien français, mais les enfants sont bilingues en anglais. Et tu leur demandais à l'époque s'ils étaient français ou australiens, ils étaient australiens. Et ils ont un sentiment d'appartenance à la culture française qui s'est réveillé depuis les six mois en France. Depuis que notre grand a goûté un vrai millefeuille. Oh, c'est une de mes pâtisseries préférées, tais-toi. Ah bah c'est la mienne. Non, moi je suis plus panna cotta ou flan. Oh non, c'est pas des pâtisseries. Moi si. Non, le millefeuille, et alors il y a une astuce, c'est de le manger à l'envers, c'est comme le burger. Comme ça, il avance moins. Ouais. Bon, après la France, retour en Australie pour partir en Afrique, évidemment, c'est logique. On a commencé à se dire, mais attends, est-ce que c'est pas ça le voyage ? Est-ce que notre voyage, c'est pas que être en caravane en Australie ? Est-ce que notre liberté, elle va pas plus loin que ça avec la réouverture des frontières ? C'est de pouvoir faire la caravane en Australie pendant 6 mois et pendant 6 mois de partir à l'étranger. Et on a fait la France, on a adoré, c'est faisable, on est revenu. Et pourquoi on ferait pas un autre voyage ? On s'est dit, mais pourquoi on ferait pas l'Afrique ? Bah, c'est à côté, en tout cas, c'est toujours plus proche que depuis Brisbane, depuis la côte est. Tu t'enlèves 5 heures de vol, quoi, déjà. Là, on a décidé de partir avec juste un billet simple. Donc, on est partis tous les quatre avec 2 sacs à dos direction Johannesburg, avec un plan plus ou moins établi. Mais voilà, pas grand-chose. On partait en Afrique et on verrait. Et finalement, on a fait 5 mois et demi. Alors, moi, je me rappelle à ce moment-là que vous aviez lancé un super projet solidaire pour l'Afrique auquel on a eu le plaisir de participer avec 10 autres familles. Donc, vous, nous et 10 autres familles, ça faisait 12. C'était un calendrier. Est-ce que, qui était donc levé de fonds pour des associations sur place, est-ce que le projet solidaire était déjà là dès que vous avez pensé à l'Afrique ou il est venu avec la rencontre sur le terrain des gens, des associations, des populations? Du coup, le projet calendrier, il est arrivé, je crois, quasiment au moment où on est parti, qu'on a commencé à contacter toutes les familles pour créer un calendrier pour vendre pour les fêtes de fin d'année. Et puis, bah ouais, après, ça a mené notre voyage. Même si on n'avait pas vraiment de plan, on a pris une claque incroyable en Afrique. On a vécu un choc culturel. Enfin, c'est tout ce qu'on était venu chercher, on l'a trouvé. Moi, je sais que l'Afrique, c'est une destination qui à la fois m'attire et m'effraie, parce que je pense effectivement, comme on peut l'entendre de l'Inde, hein, que le choc culturel peut être vraiment très, très fort. En Afrique, avec un sac à dos d'a priori, de gens qui te donnent des conseils sur l'Afrique alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. D'a priori et tout ça, et en fait la vérité c'est qu'en 6 mois d'Afrique, on s'est jamais senti en insécurité, on s'est jamais fait emmerder, enquiquiner par qui que ce soit, et donc juste pour recadrer un peu, on a atterri en Afrique du Sud, on a fait l'Afrique du Sud du nord au sud, avec la rencontre et des peuples et en faisant des safaris. Ensuite, on est passé par la Namibie, on a fait le Botswana, la Zambie, pour finir en Tanzanie. En Tanzanie, où on a vécu 3 mois en village avec les Tanzaniens, par choix. Pour être au plus proche de... C'est les photos de Zanzibar. Ça, c'est les photos de Zanzibar en Tanzanie. Mmh. Donc, par choix, pour être plus proche... C'est magnifique, hein. Vos photos sont très, très belles. Ouais, elles sont chouettes, ouais. Donc, ça, c'est les Maasai. Et donc... On a pris un train. On a pris un train pour traverser la Tanzanie. On était censé mettre 8... 12 heures 12 heures 3 jours. On a mis 25 heures. On a mis 26 heures. Je pense aussi qu'il y a cet a priori de l'Afrique. Déjà, l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on en parle comme si c'était un pays, souvent. Hein.
Et nous, on le constate, ça aussi, quand on parle avec des voyageurs, c'est comme dire l'Asie, c'est un pays, alors que la Chine, la Thaïlande, je pense, enfin, sans y être allé, hein, mais la Chine et la Thaïlande, par exemple, et l'Inde, qui sont en Asie, n'ont rien à voir. Et je pense vraiment que d'un pays à l'autre, il y a quand même une foultitude de cultures. Et même à l'intérieur d'un même pays, tu vas avoir des ethnies différentes, des coutumes différentes, des langues différentes. Et donc, je pense que de faire un a priori sur l'Afrique, ça serait le même que de comparer la France et l'Europe. Ah bah, complètement, complètement. Mais enfin, franchement, d'expérience, très souvent, ceux qui ont des a priori sur l'Afrique, ils n'ont jamais mis les pieds. Évidemment. On a atterri à Johannesburg. Moi, je suis arrivé, j'ai récupéré. Donc, Johannesburg, on m'a dit, Johannesburg, c'est le ghetto, tu peux pas mettre les pieds dehors dès qu'il fait nuit et tout ça. J'ai récupéré la bagnole de location. Je demande au mec qui me loue la bagnole. Je lui dis, excusez-moi, donc on est arrivé de nuit. Je dis, excusez-moi, au feu rouge, est-ce que je dois m'arrêter ou pas? Et il me regarde, il me dit, évidemment que oui. Sinon, c'est avec la police que tu es. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Et bien, on a des feux rouges. Porto Rico, tu t'arrêtes pas. Hein. Oh là là, la Namibie, moi, ça me fait rêver. Moi, ça me fait rêver vraiment. Non, la Namibie, vraiment. Alors, la Namibie, c'était mon numéro 1 et ça a été, ça a été incroyable. Ouais, là, c'est bon. J'ai envie de couper le live tellement. Et puis partir. Hein, vous me dégoûtez, vous m'écœurez. Victoria Fonsoise. L'Afrique du Sud, ça a été vraiment une entrée en matière à l'Afrique. Et puis en Afrique du Sud, on a fait nos premiers safaris. Et on a pleuré à chaque girafe, à chaque éléphant. Oh là là, à chaque... Là, cette photo est incroyable. Là, c'est la bande de Caprivi. Donc, c'est la route entre la Namibie et le Botswana. La rencontre animale en Afrique, elle est incroyable. Ouais, la rencontre des tribus en Namibie, ça a été quelque chose... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On a rencontré les peuples Himba, peuples Sa. Tu parles de Malga. La Namibie, il y a différents peuples. Il y a les Himba, il y a les Herero, il y a différents peuples. Et on a eu la chance de faire la Namibie du sud au nord en voiture avec les tentes sur le toit. Donc, on s'est arrêté où on voulait, quand on voulait. Peuple San dans la bande de Caprivi. Et l'eau, elle a fêté son anniversaire en dansant avec le peuple Himba. J'ai vu cette vidéo, c'était fou. Et je pense je pense aussi que quand on dit oui, aller à la rencontre des locaux, alors ça, c'est la question qui revient tout le temps, que ce soit l'Afrique, l'Asie, enfin, dès qu'on est sur des peuples avec un niveau de vie qu'on pourrait qualifier pauvre, parce que ça, c'est un rapport aussi, moi, que j'ai pris une grosse claque un jour quand je discutais avec une Mexicaine qui m'a dit on est pauvre parce que vous êtes riche, mais nous, on ne se sent pas pauvre. Il y a aussi ce rapport-là qui est vraiment différent. Et je me suis pris une claque le jour où elle a dit ça. Mais tout ça pour dire que tu crées aussi la rencontre. Parce que quand on parle de rencontrer les gens, tu fais partie de cette rencontre. Et voilà, tais-toi. Ouais. Et je pense que on a aussi notre part dans ce qu'on reçoit. Parce qu'il faut donner pour aller vers l'autre. Et c'est les a priori qu'on a sur l'Afrique. Si on y va pour rencontrer des locaux, mais qu'on n'est pas prêt à donner des choses. Et je ne parle pas d'argent, hein, je parle vraiment de s'ouvrir. Il y a un truc qui a super bien marché dans la rencontre avec les peuples. On parle de tribus, c'est les tribus qui ne parlent pas anglais. Tu arrives, ils te regardent de la tête aux pieds, ils se demandent ce que tu fous là. Ou ils veulent ton argent. Ou ils demandent de l'argent. Et en fait, on a acheté une petite imprimante Polaroid. L'idée, c'est qu'on les prenait en photo et on leur donnait la photo. Ça crée un lien, mais de dingue. C'était magique. Et bien souvent, on s'est vachement éloigné, donc on était très reculés. Et ce n'était pas des tribus qui avaient l'habitude de voir des Blancs. Ouais. Et on a des gens à qui on a donné ça. Ils ne s'étaient jamais vus en vrai. Ils n'ont pas de miroir. Et du coup, elles allaient chercher leurs enfants et tout. Et elles voulaient des photos avec eux. Et du coup, on s'est vachement... Ça a créé un lien direct. Tu vois, tu n'es pas là à demander une rencontre. Ça crée un lien tout de suite et un échange. Et alors là, mais c'était x10 l'expérience. Mais parce que vous avez donné donné dans le sens... Et quand on arrivait dans les tribus, vu qu'on avait le 4x4, on avait loué le 4x4 avec les tentes de toit, on arrivait dans les tribus et en fait, on leur proposait de l'eau et à manger au lieu de leur donner de l'argent. Ouais. Et en fait, on a distribué des kilos et des kilos de paquets de riz. Et on s'est vidé en eau à chaque fois. On distribue des bidons d'eau et plus les photos.
Ça a été, c'est ce qui a permis de créer des liens hyper, hyper, hyper uniques. Et puis, on a acheté des bijoux. C'était le seul, là, les bras. C'était un peu le trade-off. Le bracelet, c'était le truc qui rentrait dans, voilà, qui pouvait rentrer dans la valise. Ouais, c'est leur artisanat. Et on a acheté des bijoux. Ouais. Alors, j'ai une question. Cette tribu-là, on a distribué les photos. Là, on y a passé. C'est ton anniversaire, ça. C'est l'anniversaire de On était tout seul dans la tribu. On a dormi dans la tribu. Incroyable. Les enfants, ils ont joué le soir au coucher de soleil à la balle avec les enfants de la tribu et du coup avec les femmes Imba qui étaient là. Et je leur ai dit que c'était mon anniversaire. Et là, elles se sont mises à chanter et à danser. Et c'était absolument, absolument magique. Là, ce moment-là, il est ouais, il est fou, hein. On a fait l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana et la Zambie. On a cherché à sortir des sentiers battus, à s'éloigner des autres touristes et tout, mais ça reste du mode touriste. Par contre, pour répondre à tes questions sur la pauvreté, on a vécu tout ça en Tanzanie. Parce que quand on est arrivé en Tanzanie, on est arrivé pour Noël en Tanzanie au fin fond d'un village au pied du Kilimandjaro. On devait y rester 2 semaines, on y est resté 3 mois. On a loué une maison à des habitants. Dans le village, on était la seule famille blanche dans le village. On était en partenariat avec une association dont le directeur était français qui nous a aidés à faire tout ça. On a fait du volontariat en école, en orphelinat, et on y a vécu 3 mois. Et là, on a pris une claque parce que là, du coup, on a vraiment été très impliqués dans la vie du village. On a voulu les aider à notre façon en levant des fonds. On a levé des fonds sur ici, Instagram. C'est là, ouais. On a rencontré les gens vraiment au plus proche chez eux. Et là, on s'est pris des claques parce que pour le coup, ils n'ont rien. Là, c'est toutes les photos. Ça, c'est dans le village en Tanzanie où on a vécu 3 mois. Ils n'ont rien. Il n'y a pas, tu vois, les routes ne sont pas goudronnées. Ça ressemble au Guatemala, c'est de la terre battue partout. Mais ils sont heureux. Mais évidemment, ils sont à l'aise. Ils n'ont pas besoin de plus. Et ils nous ont donné beaucoup. Ils nous ont invités à manger. On s'est fait inviter à manger pour Noël, le jour de Noël, le lendemain de Noël. Et ils ne voulaient pas qu'on emmène quoi que ce soit. C'était juste incroyable. Et nous, on en était gênés pendant toute cette période-là parce qu'on avait l'impression que c'était à nous de leur donner plus. Et en fait, ça a été une sacrée leçon de vie, même pour les enfants. Parce que du coup les enfants ont rencontré d'autres enfants, t'as l'impression que c'est nos enfants qui vont leur donner quelque chose ou qui vont leur apprendre quelque chose, et finalement nos enfants ont appris beaucoup plus d'eux dans la débrouillardise, à jouer au foot avec trois fois rien, à fabriquer un ballon de foot avec des sacs poubelles et des sacs plastiques, et c'est les 3 mois en Tanzanie nous ont retourné. Il n'y aurait pas eu la grossesse, je pense qu'on demandait une extension de visa et on restait plus longtemps parce qu'on avait vraiment envie de faire plus, et on continue, on en reparlera après, ouais, on continue de travailler pour la Tanzanie aujourd'hui. Et on est rentré vraiment parce que les 3 mois de grossesse en Tanzanie, ça n'a pas été très simple d'un point de vue suivi médical. Il était temps de rentrer. Mais la Tanzanie, c'est des gamines de l'orphelinat qui m'ont demandé des cours de français et avec qui on a fini par créer des cours de français et des cours de français qui existent toujours aujourd'hui à l'orphelinat. Cool. Ces gamines-là, elles sont incroyables. Ces gamines-là, elles sont pleines d'humilité et de... Elles sont géniales. On a passé tellement de temps avec les gamins de l'orphelinat et tout ça. C'était vraiment incroyable, et on a vécu au plus proche de on a décidé, parce qu'on aurait pu vivre dans les lodges de safari et tout ça qui sont juste au-dessus de la montagne, et on a pris la décision de vivre des expats, la colline des blancs, et on a pris la décision de vivre au cœur du village. Et le village, c'est la maison, c'est pas d'eau courante, pas d'électricité, c'est-à-dire que tu dois aller, il y a de l'eau pas tous les jours, moins bien que la caravane, l'électricité pas tous les jours, ouais. Moins de confort. Nous ça allait, on avait juste besoin d'un lit et les gamins aussi, mais on a mangé la même chose pendant 3 mois, du riz et du poulet. Non, pas de poulet, ils sont végétariens. Des haricots et des bananes. Ouais, haricots, bananes, et ils font des beignets maison que tu achètes dans la rue, tu l'achètes là. Le hype du mois, c'était quand on arrivait à trouver
un chocolat ou un truc comme ça au magasin qu'ils avaient par erreur et on l'achetait. Et, enfin, c'était une expérience mais absolument géniale. Donc, on a dit, vous travailliez, vous avez mis en place de quoi vivre sur la route, d'avoir un métier et en parallèle de ça, ça vous a tellement retourné l'Afrique qu'en est né un nouveau projet. Moi, je suis entrepreneur depuis toujours, mais ça faisait 2 ans qu'on voyageait et que je disais un jour, je vais recréer quelque chose, mais qui va être beaucoup plus proche de nos valeurs, qui va correspondre à vraiment à ce qu'on aime et à nos valeurs. Et quand on est arrivé, en Afrique et en Tanzanie principalement, on a partagé notre voyage sur Instagram et on a commencé à avoir plein de messages de gens qui disaient oh, mais c'est génial votre expérience, j'ai jamais pu le faire en Afrique, comment on fait pour vivre la même expérience que vous? Et j'ai commencé à en discuter avec les différentes associations, les différentes écoles et orphelinats avec qui on était sur place et à leur dire il faut absolument que vous créiez quelque chose pour les familles parce qu'en tant que famille, c'est très dur de faire du volontariat en Afrique. C'est vrai. Parce que les associations te refusent avec les enfants parce que ça fait pas partie de leurs termes et conditions, ça fait pas partie de leurs assurances, de leur police d'assurance. Et du coup, Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zambie, on n'avait jamais pu faire du volontariat en famille. Et là, on était arrivé un petit peu par hasard et on avait un peu poussé les portes pour dire « on vient avec nos enfants à l'école et à l'orphelinat et... ». Mais ça ne s'était jamais beaucoup fait. Et on a décidé de créer Travel for Good. Travel for Good, aujourd'hui, est lancé depuis mars. La régie se met en route. En fait, l'idée… c'est de pouvoir offrir la possibilité, l'opportunité aux familles françaises qui voyagent en vacances ou qui sont en tour du monde, de pouvoir se rendre en Tanzanie et sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou plus, vivre logés, nourris, chez l'habitant, dans le village où on a vécu et de pouvoir vivre l'expérience du village comme on l'a vécu. C'est magique à chaque fois d'avoir une nouvelle famille au téléphone et de pouvoir leur vendre le projet et de pouvoir les imaginer vivre cette expérience-là comme on l'a vécu au village. Et en plus, du coup, nous, ça permet depuis le mois de mars d'avoir toujours un contact avec la Tanzanie, d'avoir toujours un contact avec tous les gens qui nous ont accueillis pendant 3 mois et de pouvoir créer un revenu. Si vous êtes hébergé dans une famille dans le village, la famille, elle est payée et elle est très bien payée pour pouvoir vous ouvrir les portes de sa maison, pour pouvoir vous préparer à manger et pouvoir organiser les différentes activités de volontariat à l'école maternelle, à l'école primaire ou à l'orphelinat. Et donc, voilà, Travel for Good, c'est une aventure incroyable. C'était, je pense, le projet qu'on cherchait, qu'on attendait, que j'attendais depuis longtemps. Et aujourd'hui, au quotidien, il répond pleinement à cette envie de créer une entreprise, mais avec des valeurs durables, des valeurs humanitaires et avec une redistribution des profits pour pouvoir faire vivre le village, continuer de faire vivre le village au mieux, continuer à payer des frais de médicaux, des frais de scolarité. Et voilà, c'est une aventure magique et c'est une aventure qui marche grâce aux gens qui nous suivent sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, la promotion, elle est que sur Instagram. Et aux gens qui veulent voyager et qui veulent découvrir l'Afrique et la Tanzanie différemment. Voilà, on offre cette... Ce qui est génial, c'est que ça nous permet de prolonger cette histoire d'amour. Parce qu'on est arrivé quand même la semaine avant Noël, l'année dernière, dans une ONG qu'on ne connaissait pas, chez un mec qu'on ne connaissait pas, dans un village qu'on ne connaissait pas, dans un pays qu'on ne connaissait pas. On est venu pour 2 semaines. Parfait. On est venu pour 2 semaines. On a clairement adoré et les gens, et le village, et le projet qu'il porte depuis 10 ans. Et ce qui est génial avec Travel for Good, c'est qu'on est toujours en lien, parce qu'on est toujours en contact avec évidemment l'ONG là-bas, mais aussi d'autres personnes du village. Et Lo est toujours en contact avec des gamines à qui elle a donné des cours de français. Et on a sponsorisé des enfants là-bas sur place pour qu'ils puissent être scolarisés. C'est 8 ans ? Ouais. C'est 8 ans de scolarisation. On s'engage. On s'est engagé à les scolariser pendant 8 ans, ouais, c'est génial. À payer les frais et tout ça. Et ce qui est génial, c'est que Travel for Good, l'impact que ça a, c'est que ça continue là-bas, même si on est encore en Australie. Mm-hmm. Et ça, c'est génial. C'est juste génial. Et les familles ne sont pas encore. Moi, j'attends le jour. Ça va vraiment, aujourd'hui, on est dans le truc à
administratifs voilà, aujourd'hui on parle avec les familles au téléphone et on organise tout sur WhatsApp et on envoie les factures et puis on organise tout avec la famille tanzanienne sur place. Donc aujourd'hui c'est effervescent, mais là quand en décembre, en janvier, les premières familles vont y être et de pouvoir voir leurs photos et leurs partages et à l'école, à l'orphelinat, dans le village, avec les enfants qu'on a connus, là, ça va être une autre émotion. Donc après l'Afrique, comme tu disais, 3 mois de grossesse, retour à la maison en Australie. Mais comme vous allez être 5, nouveau projet, parce que vous vous arrêtez jamais, ça peut pas être aussi simple. Nouvelle caravane, parce que vous avez quand même envie de continuer donc à vivre sur les routes en Australie, mais la caravane qu'on a vue tout à l'heure, un peu petite. Donc là, Bastien la régie va lancer la petite vidéo que vous nous avez envoyée cette nuit en exclusivité internationale, le van tour de la nouvelle caravane. Voilà. Donc on va lancer, hop, et là, c'est la nouvelle caravane. Ouais, on va vous laisser commenter. Caravane, moi, je ne vois rien, mon amour. Vintage. Je ne vois rien, mon amour. La nouvelle caravane qui est toujours vintage, c'était vraiment… Elle est de 1969. Elle est plus vieille que l'autre, mais elle est 2 fois plus grande. Mais on dirait la même, juste qu'elle a grandi. C'est la même couleur. Il y a votre touche déco, en fait. Donc, c'est sûr que même à l'intérieur, ben, on reconnaît que c'est chez vous, quoi. Et puis, du coup, la décision… Les torchons de l'arrière-grand-mère. Et il y a un four. Il y a un four pour faire le pain. Il y a un four. Ça, c'est incroyable. Ah, il n'y avait pas de four dans l'autre. Elle a un truc que moi, je n'ai pas. Ah, elle a un Thermomix. Tu vas le voir. Un truc que je veux. On a la clim, on a la douche, on a les toilettes. Il y a tout. Tu vas voir, je peux pas le dire. Combien de mètres? Elle fait 18 mètres carrés, donc elle fait 7 Double. Mètres de long sur 2,80 m de large. Oh, c'est hyper large. Ah ouais. Ah, le lit est dans ce sens-là, ouais. D'accord. Ah oui, il y a plein de rangements. Alors, les placards sont pas pleins parce qu'on n'a pas voulu non plus. Ça va se remplir. Hein. Tout remplir tout de suite. Et les enfants sont loin. Ça, c'est la touche. Bah, il va y avoir un bébé. Les enfants sont loin. Mais il y a un bébé en plus, là. Ah ouais, ah mince, il y a un bébé. Ouais. Qui arrive parce que vous ne le voyez pas, mais Élodie est enceinte de 9 mois. J'exagère un peu, mais presque. C'est pas un bébé à tout moment. Alors, pas maintenant. Hein. C'était dit que tu vas même ce soir. Non, c'est un peu tôt. Donc voilà, on a la douche. On a la douche avec les toilettes. Ah bah ça, c'est… Les toilettes, ah oui, d'accord, les toilettes sont dans la douche. Ouais, mais c'est mieux que dehors. Dans la douche, ouais. C'est mieux que dehors. Donc je n'ai toujours pas vu. On a des rideaux. On a vraiment fait. C'est très très beau. On a reproduit ce côté rideau pour vraiment fermer et avoir chacun nos espaces. Donc on a des rideaux occultants pour fermer notre chambre à nous, pour fermer la chambre, enfin les lits des enfants. Voilà, ça peut être. C'est dans un placard. Ça permet arrive. De créer des espaces, même de jour. De jour comme de nuit. Elle ça est hyper des lumineuse. Hein. Tu dis que tu avais 12. Elle est là. Non. Tu dis que tu avais 12 fenêtres. Non, moi, je trouve que c'est ce qu'on ressent dans cette caravane, c'est qu'elle est ultra lumineuse. Très lumineuse. Il y avait la poule. C'est pour ça que je suis revenue à la porte. Il y a la poule qui était rentrée. Et quand on a fait les tests hier, il y avait la poule. Tu dis chasse la poule. Ouais. Trop drôle. On a des placards. Elle est compacte. Il n'y a plus le toit qui se relève. Donc, on a des placards partout au-dessus. On a des placards sous les lits, sous les banquettes. On n'a aucune fuite. Donc, on l'a achetée. Elle était début de rénover, mais pas finie de rénover. Donc, en fait, quand on est rentré d'Afrique, on s'est posé la question, est-ce qu'on change de véhicule? Est-ce qu'on arrête de voyager? Est-ce qu'on rachète une maison? Puis, on a retourné ça dans tous les sens. Et en fait, non, on avait envie de continuer de voyager en caravane. On ne voulait pas une caravane neuve, moderne. On voulait une caravane vintage. Donc, on a cherché tout ça. Et puis, cette caravane est arrivée un jour sur notre page de recherche de vente de caravane et elle était début de rénover mais pas finie de rénover et on s'est dit c'est parfait, on peut y mettre du coup notre touche et donc la même couleur. On a retrouvé et par contre l'extérieur était déjà fait et c'était la même couleur. C'est la maman de l'autre, c'est juste parfait quoi. Elle vous attendait et du coup on a
Elle nous attendait. On a retrouvé la caravane au mois de mai, au mois de juin. On a fait un mois pour finir les travaux, pour faire rajouter la plaque, le four, la machine à laver, refaire la cuisine, avoir tout ce côté en fait confort que on s'est dit. Ok, on continue de voyager, mais ça va faire 3 ans. On arrête le côté voyage en mode low cost, avec le moins de confort possible. Là, on va avoir un nouveau-né. On veut que ce soit notre maison sur roue. Surtout avec cette envie de continuer de faire 6 mois en Australie, 6 mois à l'étranger. Bon, voilà. Et c'est notre base australienne. C'est notre base sur roue. C'est notre base mobile. Et ça reste une caravane abordable parce qu'on n'est pas dans une caravane flambant neuve qui vaut 100 000 $. Donc, c'était important aussi pour nous de rester dans nos valeurs, d'avoir une caravane abordable. Et puis, mais tout en ayant le confort qu'on avait plus depuis 3 ans et avec lequel on vivait sans. Mais maintenant qu'on vit avec, on se dit, ah, c'est bien quand même. On avait fait un live avec Elodie justement sur son Instagram, sur le minimalisme et le choix du véhicule. Il n'y a pas si longtemps que ça. La machine à laver, moi, je suis pas d'accord. Pour avoir un bébé. Pour le bébé, je suis d'accord. C'est vraiment le côté nouveau-né qui nous a fait décider de la machine à laver. C'était vraiment le côté, est-ce que j'ai vraiment envie de laver le linge du bébé? Déjà, le linge du bébé, où ça revient souvent, voire quotidiennement. Et est-ce que j'ai vraiment envie de laver le linge du bébé dans les laveries automatiques ou dans les laveries des caravanes, parcs, enfin des campings, qui ne sont pas toujours nickel. Ben voilà, la réponse était non. Est-ce que j'ai envie de laver le linge du bébé tous les jours à la main? Non plus. Je ne suis pas sûre que ce soit plus écologique. Et couche lavable ou pas? Non, et puis acheter beaucoup de linge pour pas grand-chose. En fait, la place de la machine à laver, ça remplace un placard de linge pour pouvoir faire la rotation. Et couche lavable ou couche normale? On en reparlera dans 3 mois. On a les deux. Ok, on a d'accord. Les deux. C'est courageux. Mais c'est pas gagné. Mais avec on a les deux. De et si on peut faire courageux. Du mixte, si on peut faire du mixte, ça sera. Niveau autonomie de la caravane, que ce soit en électricité ou en eau, vous pouvez tenir à peu près combien de temps tout ça. En autonomie globale, on dure. En autonomie. Électricité, panneaux solaires, on tient longtemps tant qu'il y a du soleil. Travailler quoi. Panneaux solaires sur le toit, ça c'est pas un problème, ça se recharge automatiquement. On n'a pas une grosse consommation électrique. Après c'est la consommation d'eau qui est un petit peu limitée. Aujourd'hui on a que 150 litres, 150 litres. Donc l'idée c'est de doubler et c'est de rajouter un réservoir d'eau sur la caravane pour doubler. Pour l'instant, ça va parce qu'on est dedans sur la route depuis juillet. Et en fait, on voyage très, très lentement et on passe de copain en copain et de camp en camp et où on est branché à l'eau. Donc, pour l'instant, on n'a pas repris la route. Vraiment comme on a l'habitude de le faire, tu vois, où tu as besoin d'être en autonomie globale. Donc là, aujourd'hui, avec 150 litres, si on ne fait pas de machine à laver et si on fait attention aux douches, on tient 3 jours. Ouais, c'est ça, 3-4 jours, ouais. Comme nous ça. Avant. 3-4 jours. Elle est vraiment magnifique, cette caravane. Ouais, peut-être. Écoute, moi, j'ai fait à peu près le tour. Donc les projets, là, vous l'avez un peu dit, c'est 6 mois, développer Travel for Good, évidemment. Eh ben le truc, c'est que Travel for Good, l'idée à la base, c'était on lance Travel for Good, on lance avec la Tanzanie et avec cette envie de voyager 6 mois à l'étranger, on devait partir en Amérique du Sud à la fin de l'année avec des projets humanitaires et d'immersion en Amérique du Sud et pour recréer une nouvelle destination. Évidemment, grossesse, évidemment, projet Amérique du Sud repoussé. Donc, on a commencé à se poser la question comment on fait pour développer Travel for Good de manière d'ici la fin de l'année. Et pour ceux qui nous suivent sur Insta, ils ont vu depuis quelques semaines que je parle beaucoup de boulot, de formation, que je suis en formation professionnelle. Et l'idée, c'était de dire, on est Australien, ça fait 12 ans qu'on est là. Et si on offrait la possibilité aux gens de venir découvrir l'Australie, mais avec notre regard à nous, avec un nouveau regard et en accentuant le voyage australien
part une vision culturelle et historique que bien souvent les touristes n'ont pas accès, n'y pensent pas ou manquent complètement quand ils viennent en Australie. Et je trouve ça toujours dommage d'avoir des... Parce qu'on communique beaucoup avec des familles françaises qui voyagent en Australie et qui, au final, après un voyage en Australie, ont des souvenirs de Sydney, ont des souvenirs de la barrière de corail, des kangourous, de surf. Et c'est génial. Et l'Australie, c'est ça aussi. Mais ça manque toujours de culture aborigène, d'histoire indigène, et de savoir, de comprendre vraiment l'histoire de ce pays, d'où vient ce pays. Et c'est quelque chose qui me fait mal au cœur à chaque fois. Donc, j'ai voulu travailler sur une nouvelle destination, donc, qui est l'Australie, en offrant la possibilité vraiment d'aller plus proche de ces valeurs australiennes qui sont l'histoire aborigène ou la culture australienne comme elle est, mais c'est-à-dire aller passer du temps dans un ranch au fin fond, pas forcément au fin fond du désert, mais au fin fond d'un coin paumé, et aller dans un ranch du bush pour aller rencontrer les cow-boys, les vrais cow-boys australiens qui vivent encore à la ferme. Et pour ça, j'ai suivi une formation depuis plusieurs mois, parce que l'Australie, ce n'est pas l'Afrique. L'Australie, tu ne fais pas voyager les gens comme ça. Il y a plus de réglementation. Avoir un peu de... Voilà, il y a beaucoup plus de réglementation. Et du coup, je viens de passer mes diplômes d'agent de voyage pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, parce que c'est souvent lié. Je peux officiellement créer du voyage, donc faire de la location de véhicules, faire de la location de van, de l'hébergement, des activités et surtout de la création d'itinéraires en passant par des partenaires qui répondent à ces valeurs de voyage durable, voyage historique et de culture aborigène. Et je le fais pas toute seule, parce que c'est difficile de le faire toute seule en Australie, c'est difficile de le faire toute seule ou ensemble là avec l'arrivée d'un bébé et tout ça. Donc aujourd'hui, je le fais de manière très professionnelle, avec une agence de voyage, une petite agence de voyage qui a des valeurs incroyables, avec qui je suis très fière de travailler et que je présenterai très bientôt. Et je travaille avec eux parce qu'ils ont déjà tous ces contacts-là. Et on travaille ensemble à développer tous les contacts de toutes les associations, parce qu'elles existent, elles sont là, les associations culturelles, les associations aborigènes, qui sont tenues par les descendants, les générations descendantes des aborigènes. Et elles existent et on en a partagé une il n'y a pas longtemps sur Instagram, avec qui on avait passé une journée pour pouvoir mettre en avant leur travail, pour pouvoir les aider à développer leur travail, parce que l'histoire aborigène, elle est encore taboue. C'est quelque chose, on parle de génération d'enfants volés. C'est des enfants aborigènes qui ont été volés à leurs parents par les colons anglais. Et c'est des enfants qui aujourd'hui ont 50 ou 60 ans. La volonté de Travel for Good et puis de continuer du coup sur l'Australie, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces familles françaises qui nous contactent régulièrement sur Instagram pour les aider. Alors j'adore depuis longtemps, j'adore répondre à toutes les questions sur à quelle saison voyager, faire plutôt la côte est ou faire la côte ouest. Et voilà, ça fait partie vraiment de ça, aider les familles françaises à venir faire leur road trip en Australie. Mais si maintenant je peux les aider à aller dans leur road trip, à insérer beaucoup plus d'histoires et qu'ils partent d'ici avec une vraie connaissance du pays, alors tu vis pas en immersion dans une tribu aborigène, ce n'est pas possible, ça n'existe plus et c'est pas possible. Mais en tout cas, il y a plein de solutions, il y a plein d'options sur le road trip pour aller vivre des expériences culturelles aborigènes ou des expériences culturelles locales, mais qui sortent du côté surfeur, quoi. Ouais, plus authentique. D'ailleurs, je rebondis sur ça, c'est aussi pour ça que nous, on a développé notre projet d'accompagner les familles autour du monde, parce que, comme tu le dis, moi, j'adore répondre aux questions sur Instagram beaucoup. Mais au bout d'un moment, quand ça doit devenir concret, on les accompagne aussi autour du monde. Et c'est un peu la même idée d'aller en privé, en tout cas prendre le temps de vraiment construire les projets des gens
ensemble, et c'est vraiment, pour l'avoir déjà fait, hyper épanouissant aussi de construire avec eux leur projet de Tour du Monde. Je suis de retour. Et de les accompagner dans ce processus-là, et je pense que c'est chouette ce que vous proposez sur l'Australie, parce qu'on est loin des clichés habituels, et c'est vraiment chouette. Parce que moi, vos photos d'Australie, quand même, me font rêver. Hein. On va partir chez les kangourous ou dans l'eau, quoi. Les coups de cœur, on a l'impression de passer de différents pays en différents pays, certaines fois. Ça fait presque 5 pays. Hein, ça fait presque 5 pays, parce qu'ils ont chacun leur végétation à peu près vraiment endémique. Donc, moi, si je parle pour moi, alors Australie, animaux les plus dangereux du monde, oui. Mais franchement, tu ne les vois pas tous les jours. Hein. Tu commences fort, hein, commences par l'Australie de l'Ouest. Ouais. Là, l'Australie de l'Ouest, c'est la carte postale. Bah, c'est la carte postale. Bah, on va en Australie pour voir ça. Enfin. C'est très méconnu. L'Ouest de l'Australie est très méconnu parce que beaucoup de gens vont. Est très et historiquement, c'est la partie, c'est la côte Est qui a été colonisée en premier. Donc, les infrastructures sont plus faciles d'accès. Les routes sont meilleures. Il y a moins de distance entre Sydney, Melbourne, Brisbane. Oh là là. On peut faire 3, 4, 5 villes faciles. C'est la côte Ouest. Et ça, c'est les requins baleines. Qu'on a vu nous en Baja California. On les a vus en Baja California, ouais. Et c'est assez incroyable. Ouais. C'est vraiment. Alors, on les a vus que du dessus parce qu'on était en kayak. Daphné a eu peur parce que le requin baleine était plus gros que notre kayak. Donc, on s'est un peu éloigné. Est-ce que tu te dis, un coup de queue. Il ne s'est pas agressif du tout, hein, puisque tu peux nager avec, comme vous le faites vous. Non, non. Mais la masse fait que si tu te retournes avec ton kayak au milieu de la mer, t'es pas bien, quoi. Donc, ça, c'est l'ouest de l'Australie, d'accord. Oui, l'ouest de l'Australie. C'est l'ouest. C'est vraiment très beau. Mais là, c'est bien au nord de Perth. Donc, ça, c'est quand on est rentré de France. Ça, quand on est rentré de France, on a fait toute la côte ouest. Ouais. D'accord. Et la côte ouest, elle est absolument. Ça faisait longtemps qu'on voulait la faire. Elle est absolument. Elle est surprenante. Sauvage. Elle se mérite parce que c'est sauvage, parce que c'est beaucoup d'heures de route, c'est beaucoup de. C'est beaucoup de nature sauvage, pas beaucoup de villes. Tu as Perth qui est dans le sud et tu as la côte du sud qui est développée. Et au-dessus de Perth, c'est quasiment pas développé. Mais tu as ces coins-là où tu peux nager, où tu peux. Enfin, c'est magique de revoir les photos. Ouais. Donc, les animaux les plus dangereux ne sont pas dans l'eau. On est d'accord que tout est inoffensif là dans l'eau. Les petits requins, ça attaque rien. C'est des questions qu'on a là. Non, il y a que. Côte Est, par exemple. Moi, tu parlais de coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est la forêt tropicale au nord du Queensland. Donc, Côte Est, tout au nord. On va essayer de la trouver. C'est la forêt. Forêts les plus vieilles d'Australie. Ah, c'est avant la France. Tu remontes avant la France. On va avoir du château de la Loire. Du camping. Non, vraiment, allez les suivre sur Instagram. Vous allez vous prendre une dose de kiff journalière entre les petites vidéos, les stories. Il faut finir d'accoucher, mais vous avez encore des beaux clichés à partager sur Instagram, je pense. On est retourné en Australie là. C'est notes, c'est ouf. Il y a beaucoup de gens qui ne montent pas dans la forêt tropicale. Tu es au-dessus de Cairns, tu es à Cape Town. Voilà. Donc c'est le point le plus au nord. On avait laissé la caravane et on est monté juste avec la voiture parce que c'est 3000 km de piste pour monter au point le plus au nord. Et du coup là, tu vas en lodge. Ça a été un mois. On a dormi en tente pendant un mois. 4 tentes. Et là tu te baignes. Là, moi, j'aurais peur qu'il y ait un. Alors là, tu te baignes. Pour la photo, parce qu'il y a des crocos quand même dans le nord. Pas dans les rivières comme ça, mais c'est ce qu'ils commençaient à dire, c'est que les plages du nord, tu n'y vas pas à cause des crocos. Sur les plages, il me semble que j'avais vu ça. Hein. Là, tu y vas. Mille Insta. Mets le lien Insta. Donc, dans les criques que tu as vues, là, tu peux aller te baigner parce que c'est des crocos d'eau douce et les crocos d'eau douce ne sont pas méchants. Agressifs. J'ai pas mis les pieds non plus. Pas méchants. Sur un malentendu, tu perds 3 orteils. Moi, je me suis toujours posé la question du con de requin d'eau salée. Qui vient de croco d'eau salée qui vient et qui s'est planté et qui lui est hyper agressif
Et du coup, il est dégoûté d'être là, et du coup, il va te croquer. Ouais, donc, et là, l'océan que vous voyez derrière, il est bourré de requins. Là, tu te baignes jamais. Et de crocos. De requins et de crocos, là. Croco. Ah ouais, d'accord. Donc, tu vas pas, quoi. Là, tu te... là, ah, c'est beau, mais tu te baignes pas. Là, bon, bah, je veux pas y aller. Bon, retournons sur la côte ouest, alors. Et là, tu te baignes, là. Oh, mais... que c'est beau. Tu vois, bah, ça me rappelle le Mexique, un peu. Crique d'eau douce. Ouais, d'accord. Tu vois ce côté cascade en eau douce et tout, dans la jungle, c'est un peu ce qu'on a vécu aussi au Mexique. Alors, ce mais coin, on n'a jamais croisé de crocodile non plus. Hein. Ce coin-là, il est hyper réputé en Australie parce que c'est le point le plus au nord de l'Australie. Mm-hmm. Et les voyageurs, ils passent un peu la Mecque. C'est, il faut y passer parce que c'est passage obligé si tu fais le tour de l'Australie. Ouais, comme le Cap mais Nord en Europe. 3000, tu as 3000 km de piste. Rien du tout, quoi. Bon, mais c'est la Dempster Highway en Alaska que les gens ils veulent ouais, aller toucher. Ouais, t'as une station d'essence toutes les 400 km, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. C'est exactement. Là où le facteur, moi j'avais vu un reportage sur l'Australie où le facteur il passe en avion une fois par semaine. Ah bah c'est ça. Ah bah, à la pompe à essence qui est à la croisée des deux routes, des deux seules routes qu'il y a, t'as comme ça une croix, un bar, station essence, bureau de poste. L'avion il atterrit sur la route parce qu'il n'y a pas de piste. La piste c'est la route, la piste d'atterrissage. Il pose un sac de colis, il prend un sac de colis et il repart. C'est l'image que j'ai de l'Australie, en moi. En plus, dans la période des pluies, ça, c'est la tente. Ils sont inondés et tu ne peux plus y aller en voiture. En fait, les villes sont accessibles 6 mois dans l'année. Ça, c'est notre maison de vacances. Ouais, c'est la tente. Ça, c'est notre maison de vacances. C'est la tente qui est accrochée au vent de la voiture et ouais. C'est là où on dort quand on ne peut pas emmener la caravane. Quand il n'y a pas de crocodile. Moi, j'aurais trop peur. De dormir par terre quand même parce que c'est assez hostile. Mais c'est je pense que c'est comme tout ce qu'on connaît pas, tu vois. C'est là peur, j'arrive c'est... dans ta forêt, non c'est quand les gens disent nous on a peur du Mexique ou du Guatemala, ouais, nous on y est allé, on a moins peur. Il faut qu'il part plus vite le drone. Il faut accélérer le drone la prochaine fois. Hein. C'est trop long. Je débutais là, je crois. Non, mais nous aussi, l'autre jour, on a visionné des vieilles vidéos. Ah, c'est beau. Ça, c'est les forêts du Nord. Ça, c'est les tropiques de à Cairns, c'est dans les palmiers. Bienvenue, savane. Et là, c'est vraiment, vraiment tropical. Enfin, c'est vraiment l'Australie subtropicale. C'est une forêt hyper humide. Il pleut souvent pleut souvent pendant la période des moussons. Et, ouais, voilà, il y a clairement deux saisons, c'est période sèche et période des pluies, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est vraiment l'image de l'Australie quand je suis arrivé en Australie. C'est vraiment l'image que... Et Brisbane a un petit peu de cette atmosphère. Quand tu arrives de Paris, tu dis « Waouh, c'est les tropiques !» Et en fait, quand, une fois que ça fait 10 ans que tu y es, tu t'habitues un peu aux tropiques. Mais le nord, c'est génial. En plus, c'est des terrains volcaniques. Il y a des vieux volcans là-haut. C'est magnifique. C'est vraiment un des coups de cœur que j'ai, moi, du tour. Je vais inviter les gens dans le chat à poser leur dernière question parce que ça fait quand même 2h30. Chez vous, il est tard. Je pense que vous avez vraiment veillé pour nous. Donc on va... Ah, bah tiens, quand on parle des crocodiles, quelle horreur. Donc, si vous avez encore des questions sur leur projet, je vais vous inviter déjà, si vous avez des projets, vous, pour aller soit en Tanzanie, soit en Australie avec des envies de voyage et de tourisme solidaire, bah, à les contacter directement sur Instagram. Je pense qu'Elodie se fera un plaisir de vous répondre. Pas tous en même temps, tout de suite, là, ils vont se coucher, puisqu'il est 22h. Mais je pense que vous avez compris leur valeur et ce qui fait l'essence de leur voyage. Et c'est ce qu'ils proposent de partager avec vous, avec leur... J'aime pas dire agence de voyage, parce que ça a une connotation plutôt négative, agence de voyage, mais c'est, ce que, ça, enfin, c'est le mot que ça porte. En tout cas, organisatrice de voyage pour vous. Pour aller vers plus d'authenticité dans le tourisme. Ah là, tu avais moins la barbe, mais plus de cheveux, non? Ouais, bah ça change. Et donc là, je vous invite à poser les dernières questions. Et puis après, on va tranquillement les laisser aller se coucher. Et ensuite, reste avec nous parce qu'on va vous annoncer le programme de la semaine sur Twitch. Donc, on va vous garder un petit peu avec nous pour clôturer l'émission tous les deux avec vous. Donc, dites-nous. Si on tombe à l'eau, faut-il une planche pour les attirer? La planche pour ne pas les attirer. Ah, faut faire la planche. Faut faire le mort. Ouais. C'était quand ça? Oui, 2021, ça. Et ouais, pendant 2021. la...
Même pendant la Covid, vous aviez le droit de voyager? Non, c'était un peu fermé, même les certains États, enfin certaines provinces ou États, je ne sais pas comment on les dit. Les États sont tellement grands que tu as le temps d'y rester, quoi. Ouais, d'accord. Il y a certaines frontières entre États qui étaient fermées, mais ça, après, ça, au contraire, il y avait plein de voyageurs à cette période-là. Ça, c'est le désert, désert des Terres Rouges. Donc, ça me rappelle l'Utah. Ça, c'est le centre de l'Australie. C'est là où je dis à chaque fois aux voyageurs, faut aller à Alice Springs, faut aller à Uluru, il faut aller se faire un coup de désert une semaine ou deux, désert australien, parce que c'est. Ouais. Mais ça rappelle des paysages que nous on a vus aussi dans les déserts du centre des États-Unis. Qui, alors on dit l'Utah, mais il y a vraiment tout ce qui est Escalante. Enfin, il y a des pépites cachées des fois. Il y a évidemment le top 5 des trucs à faire. Mais des fois, ça vaut bien le coup d'aller un peu moins dans les tops. Et il y a vraiment des pépites qui sont incroyables. Et je pense que c'est un peu ce que vous avez envie de proposer aussi dans les circuits que vous allez faire. Donc, c'est cool. Il y a quelqu'un qui demande si on aimerait se poser définitivement en France ou en Australie. Le retour en France n'est pas du tout le retour en France n'est pas du tout prévu. Et ça fait 12 ans qu'on est en Australie, qu'on est australien. La maison, elle est ici. Et la maison, on est posé en Australie. Si tu nous poses la question, pour nous, on est posé définitivement en Australie. C'est juste qu'aujourd'hui, en Australie, on n'est pas dans une maison. On est juste en mode nomade. Et voilà, et que ça continuera le temps que ça nous plaît à tous les quatre ou à tous les cinq. Ça continuera comme ça. Mais la maison, elle est ici, elle est en Australie. Ça, c'est Uluru. Donc, c'est vraiment le centre de l'Australie. Ça, d'un point de vue culturel, c'est ce qu'ils appellent l'Ayers Rock en australien. C'est ça. Okay. Mais toi, tu donnes le nom aborigène. Ayers Rock, c'est le nom australien. Oui, c'est ça. C'est le nom aborigène. Oui, c'est le vrai nom australien. Uluru. C'est comme le mont Denali et le mont Kingsley. Là. C'est le McKinsley en Alaska était le nom qu'ils avaient donné à un président. Et en fait, maintenant, ça fait quelques années, ça a été bloqué pendant plus de 40 ans. Hyper compliqué. Par un gouverneur d'Alaska qui ne voulait pas changer le nom. Pour remettre le nom originel. Pour remettre le nom originel, qui est le mot Denali. Qui veut dire grosse montagne. Qui veut dire grosse montagne, en fait. En clair. Ouais, donc c'est aussi ça, je pense, qui est important quand on se réapproprie un pays, une culture, c'est de renommer aussi les lieux. Et c'est important d'avoir cette démarche-là. Merci pour vos commentaires dans le chat. C'est trop cool. Je sens que ça vous a plu, le live. Et c'était le but, parce que c'est une émission... Voilà, ça, c'est les rencontres aborigènes. Ouais, c'est incroyable. L'artisanat est fou. Au cœur du village. Ouais. Moi, ça, c'est vraiment une culture qui me... Parce que c'est vraiment des premiers peuples. On n'imagine pas à quel point on parle que le berceau de l'humanité est dans le Nil, et on n'en est pas si sûr que ça par rapport aux aborigènes australiens. Il y a des remises en cause là-dessus. Par rapport aux aborigènes australiens, ouais. Ouais. Il y a des remises en cause de ça. Mais tu vois, pour la question de coup de cœur, je crois que toutes les régions sont coup de cœur, tous les États sont des coups de cœur pour différentes raisons culturelles, paysages, animaux. La traversée du désert a été une expérience incroyable, mais il y a la Tasmanie. La Tasmanie a été quand même un petit bijou et une petite surprise. La Tasmanie, c'est une petite Australie où tout est à dimension humaine. Et je crois que ça reste quand même, ça fait partie de notre top 3. C'est dur de faire des top, nous on en est incapable. Ouais, après, tu es obligé de faire des tops après, dans on fait une un région. Top 10, puis après, on fait. Ouais, mais on rajouterait quand même ça en bonus. C'est l'Australie du Sud. L'Australie du Sud, elle est complètement sous-cotée. On y a passé 3 mois et l'Australie du Sud, elle était aussi. C'est quoi entre Sydney, Melbourne, Canberra? C'est Adélaïde, autour d'Adélaïde, okay. Donc vraiment, vraiment au sud. Sud-est et, ou sud-ouest? Ça, avec que des sud-sud pour le coup. Ah ouais, d'accord, en plein sud en fait. Un peu plus à l'est. Okay. Okay. Ouais. Mais en plein sud. Ouais. Et c'est de la côte sauvage. Et là, on a passé, on a dormi au bord du cliff, au bord de la falaise, avec des dauphins et des lions de mer. Des lions de mer tous les jours en bord, sur les plages et sur les rochers. Enfin voilà, la Tasmanie a été vraiment un gros coup de cœur à un point où on a pensé. Alors, est-ce que vous avez des photos de Tasmanie? Alors je vais répondre juste à une question de chef. Ça, là, je suis en Tasmanie là. 2 secondes. Les peuples autochtones, nous on n'est pas allé en voir au Québec, on est allé les voir dans le Yukon parce qu'il y avait un festival qui n'avait pas eu lieu d'ailleurs depuis 4 ans, avec un gathering, c'est-à-dire
un repas partagé où tu es invité à manger, tout le monde mange ensemble et où il y a du pogo, de la culture, de l'artisanat. C'était très intense sur 2 jours à Dawson City, donc c'est vraiment au bout du bout du bout du Yukon. Il n'y a rien après. Enfin, après, il y a l'Alaska, mais après 8 heures de route. Mais c'est vrai que c'est une culture qui nous intéresse beaucoup. Ici, il y a les peuples Mi'kmaq, entre autres. Il n'y a pas que. Hein. Mais on a traversé la communauté l'autre jour. Mais oui. On n'a pas pris le temps, en tout cas, de... Il faudra qu'on revienne, quoi. C'est toujours donc ça, compliqué. C'est, ça, que... c'est la Tasmanie, ça. Ouais, et la Tasmanie, on a fait 2 mois de rando. On a fait de la rando. On a fait de la rando en sac à dos où on a dormi la nuit. Ah ouais si. Ça, c'est la Tasmanie. Ouais. J'allais dire, on est revenu en France. Vieux... ouais, bah, c'est le plus vieux pont. C'est le plus vieux pont d'Australie. D'accord. Qui a 200 ans. Parce que les colons sont arrivés. Les colons sont arrivés par la Tasmanie en fait. Ok. Donc voilà, il y a toute l'histoire en Tasmanie. Mais la Tasmanie, ça a été 2 mois de rando époustouflante, à partir de 2 jours une nuit, 3 jours 2 nuits avec les enfants qui avaient 5 et 8 ans, à dormir en tente dans la montagne. C'est des plages. Alors l'eau est très froide, mais c'est des plages magnifiques. La Tasmanie, voilà, ça fait partie des côtés un peu sous-côtés. Il n'y a pas de requins. Et c'est trop froid. Ouais, non, y a non pas... Moi, si c'est ouais, froid et qu'il n'y a pas de requins, je me baigne. Froid, ouais. Froid 15 degrés ouais. Ou froid 11 degrés? Non, froid du 15-18, ouais. Ah, oh, bah tu te baignes ouais. Attends, c'est australien. C'est ça, ça c'est chauchotte. Nous, on se baigne en Norvège. Ah, mais... On est Queenslandais, hein. On est du c'est Queensland. Non, mais attends, on s'est baigné en Oregon. Ouais, pas en Alaska. Parce on s'est baigné au Lofoten. On s'est baigné au Yukon. Dans la mer de Barents, 11 degrés, c'est mon record, vraiment. Mais enfin, là, tu ne te baignes pas. Donc, ouais, chaque état. Tu cours dans l'eau et tu ressors. État, alors, la Tasmanie, par contre, ouais, vu que c'est plus bas, il y a quand même des saisons pour y aller. Il vaut mieux y aller lors de votre été, non? En janvier, quoi. Ah bah, vaut mieux y aller en plein été et quitte ouais. à avoir de la neige en plein été. Hein. Ouais, voilà, non, c'est non, ça. L'hiver est. Après, nous, on a voulu le faire en hiver cette année. On l'aurait pas fait en caravane et on n'a pas trouvé de maison parce qu'on s'y est pris trop tard. Je pense que la Tasmanie en hiver, ça vaut un bon hiver européen, un bon hiver français avec de la neige et. Ouais, enfin, une température à 10 degrés, quoi, et la pluie, quoi. Ok, ouais, je pense que ça peut descendre. Est-ce qu'on part pour 2 heures de live de plus ou pas? Non, mais c'est frustrant de devoir finir, mais déjà, c'était génialissime. Non, c'est un super format et c'était très chouette d'être invité. Merci de nous avoir invités et de nous avoir fait confiance pour cette première émission. Bah, tu m'avais fait confiance pour la tienne, donc je trouvais que c'était cool de... Bah, c'était logique que vous soyez à peu près les premiers. Hein, bah ouais, voilà. Je me suis dit par qui commencer, mais attends, je sais, elle ne peut pas me dire non. Non, c'était vraiment cool. Merci pour votre patience. On pouvait pas être plus loin, je crois, en fuseau horaire. Non, bah, on a quasiment 12 heures d'écart. Hein, donc voilà, c'est vraiment chouette. Moi, c'est ce que j'aime avec Internet, c'est que ça rapproche les gens et que ça permet de développer des beaux projets comme ceux que vous avez aussi. Parce que voilà, on dit Internet c'est fictif, les réseaux sociaux c'est presque futile, et en vrai derrière il y a des vrais projets, des vraies personnes, et ça c'est chouette. Donc voilà, je kiffe. Première émission, ça nous donne envie d'en faire plein. Là, je vais relancer les gens, les mails, mais on a vraiment kiffé le format. On a envie de faire d'autres choses sur Twitch, mais c'est le format qui nous fait le plus vibrer, clairement. Pour bah, clairement, c'est le mieux, c'est de faire partager notre passion du voyage, notre passion de la découverte, faire découvrir d'autres moyens de voyager, d'autres lieux, d'autres personnes, même si on va partager aussi les lieux où on merci, a déjà été, parce que Martine. L'Australie, c'est quelque chose qui fait rêver quand même énormément de monde, c'est les antipodes, c'est l'autre bout de la planète pour nous, Français, en tout cas. Merci à vous, c'était très chouette et c'est toujours un plaisir pour nous aussi de partager. On ne le fait pas souvent à deux, mais c'était sympa de le faire à deux. Non, mais, il est beau, Guillaume, il faut le montrer. Avec ou sans barbe. De pouvoir partager la passion du voyage et puis cette passion de vie qu'on se construit et qu'on choisit, et de vie de liberté, et de montrer que c'est possible et que tout est possible.
tant que bah, tu prends tes décisions et puis que tu prends les décisions en conséquence. C'est toujours chouette de pouvoir partager ça. Ce qu'on vit, nous, ou ce que vivent Audrey et Bastien, bah, demain, ça pourrait être vous. Hein. C'est ouvert, c'est possible pour tout le monde. On en revient au titre de l'émission. Et puis nous, au pire, on part. Ouais, et franchement, si à chaque fois qu'on revient en arrière et tout, on se dit on aurait eu toutes les raisons de ne pas faire ce qu'on a fait. Et l'aventure continue. Et puis, c'est chouette. Et au pire, on part en Australie. Et au pire, on part tout court. Au pire, on part où on a envie. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, l'émission. Au pire, on part avec un nouveau-né. Ça. Mais voilà. Exactement. Bon, on vous laisse. On vous raccroche. Ouais. On se reparle sur les réseaux, évidemment. On vous souhaite une belle nuit. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Non, je ne sais pas faire. Non, parce que Daphné va dire que tu fais n'importe comment. Attends, il faut faire comme ça pour que Daphné soit comme contente. Ça, content. Cœur sur vous. Merci d'avoir été là. C'était trop chouette. Et salut. Hop. À plus. Petit générique. Et à comme plus ça. Dans Cactus. Dans Cactus. Salut. Ciao. Oh, 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 oh. Oh, oh.